Dans l'épisode précédent, on avait essentiellement parcouru la décharge ainsi que le cordon à la recherche de missions, planques, ainsi que d'artefacts. Maintenant qu'on a fini par arriver en bas du cordon et qu'on n'a plus rien à faire, et ben on va tout simplement remonter en direction d'un Mirror House, vider notre sac et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a trouvé comme artefacts et compagnie. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude, puisque bah du coup il y a pas mal de choses à gérer niveau inventaire et à montrer, et que comme tout ça je le fais essentiellement au milieu de l'épisode, je voyais pas vraiment l'endroit où couper correctement, donc bon bah... épisode extra long. J'en profite pour préciser que depuis cet épisode-là, il y a pas mal de choses qui ont changé sur Stalker, Anomaly et surtout Gamma. Donc il y a pas mal de choses qui vont pas être en rapport direct avec bah, ce qui est actuel. Mais que ça va beaucoup plus vite de filmer que de sortir des épisodes, donc bah, c'est comme ça qu'on en arrive là. Également, je vous rappelle que dans le même temps, vous avez des vidéos de Stalker 2 qui sont en train de sortir petit à petit. À part ça, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, partager cette série autour de vous, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Bonne vidéo. Fait bien noir. Ma petite lampe. Un scar. Bon, super, on a une anomalie en plein milieu du chemin. Bon, tu es déjà trop lourd avec ce que j'ai pris là? Ah ouais. J'ai juste pris un scar. Ah ouais, le scar il fait 400 grammes. Mais pourquoi j'ai de la vodka de merde machin qui pèse 1,5 kg aussi moi? Voilà. On se sent mieux direct là. Peut-être jeter un œil aussi au champ d'anomalie du début. Alors, est-ce qu'il s'y passe quelque chose? Ça a pas l'air. Non. Vous avez fait une planque dans garbage. Eh bah super. Alors, j'ai besoin que tu me vendes des boîtes. Oh là là, ils font ça cher aussi, quoi. Eh, c'est ouf. Alors certes, les scientifiques, c'est logique qu'ils vendent ça éventuellement un peu moins cher. Dans le sens où, bah du coup, c'est leur matos. Donc ils l'ont toujours à disposition, peu de choses près. C'est relativement logique. Par contre, comme je suis vraiment pote avec les gars, ça serait logique qu'ils me vendent quand même ça au moins au même prix. Que là, il y a quand même 25% plus cher, quoi. Alors que je suis à peine pote avec les scientifiques, c'est chaud. Et puis les boîtes pour utiliser les artefacts, pareil, ça coûte la peau des roustons. Et remarque, est-ce que j'ai pas de quoi en faire? Privet, brat. Il y a des trucs là-dedans. Il y a tout ça que je dois prendre. Bon, puis ça aussi. Ah, je peux en faire. Je peux en faire au moins une, c'est déjà ça. Surtout que... l'anneau, genre, ça serait pratique de pouvoir l'utiliser rapidement. Est-ce que j'ai pas autre chose que... Ah oui, ça, la montre, je peux la vendre à Sidorovitch. Il la reprend cher. Voilà. Il a pas repris très très cher, mais mieux que si je l'avais vendu à quelqu'un d'autre. Et en plus, je suis à pas grand-chose de pouvoir faire une boîte, une deuxième boîte. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, ça open, du coup... Et tu vas me glisser donc dans une bonne boîte qui est là. Yes. Ah, ça fait quand même un peu de radiation qui en sort. Dommage. T'es une fille toi, non? Vasca Turquie. Turquie. Ça a l'air, hein. Ah non. Alors, est-ce que vous avez des quêtes, les gars? Pff, t'es pas juste bandit, vas-y, mon gars, j'en ai plein. Stop. 6000 balles. Toujours ça de prix. D'ailleurs, j'aurais pas un autre. Dans mes artefacts là, j'avais pas un truc qui me donnerait peut-être un peu le stamina là. Histoire de m'aider un peu. Si ça un petit peu. Parce que ça, ça me donne de la régénération de vie, soins et tout. Et pas de stamina. Après, c'est que j'ai le sun, mais bon, là, il fait moche. Et le chain qui, pareil, donne un peu de stamina et de vie. Ça va pas l'air fichou, quoi. Donc du coup, plus rien dans le coin? Non, plus rien dans le coin. Bah, j'ai un truc là. Ok. Ah, mais je dois rendre une quête, je pense, à lui. Parce que avant, Richard Charia, c'était là. Et puis même là, pareil, j'ai plus l'autre gars. Qui est maintenant là-bas.
Aïe aïe aïe. C'est un peu chiant quand même des fois que les gars ils puissent bouger, hein. Bon bah allez, hein. Quoi, qu'est-ce que serait pas justement l'occasion d'utiliser un TP? Parce que là pareil, y en a pour 15 ans à se déplacer. Déjà, est-ce que je peux? Non. Et en demandant un guide. Ce serait probablement pour pas cher en plus. Ah mais t'es... oui, c'est pas un guide, non, toi. Hein. Qui est un guide ici? Montre. Y a pas un guide ici? Genre sérieux? Faites chier les gars. Bon, bah tant pis, on va marcher, hein. Quoique, je vais regarder quand même. Ah si, le fast travel est bien censé être actif. Alors pourquoi je peux pas? Moi qui a peut-être une autre option, planquée quelque part dans un vieux mode de merde. Qui m'en empêche. Ah, pour aller au stock, je peux. Par contre, 15 000 balles? Waouh! Eh ben putain. Ouais, bah tant pis. Pas de fast travel apparemment. Marc, maintenant qu'il fait beau. Is the sun. Ouais, on peut courir à l'infini. C'est qu'il y a une anomalie aussi de l'autre côté. Chez les bandits. Ouais, mais flemme. Ça a l'air d'être la guerre. Ça a l'air d'être du cochon, d'après ce que ça marque. Bah alors, on a mal au cul? Ah ouais, c'était quand même... c'était la guerre. Ils ont été vénères, quand même, les gars. Du coup, j'ai rien d'autre à monter. Ce truc que j'avais posé, c'est bon. Bon, ouais, écoute. Hein. On va dire que c'est bon. On va espérer pouvoir choper les gars qu'on doit voir dans Garbage. Allez, viens là, toi. Ouais, à grou-grou, hein. Moi, je vais même pas te fouiller, de toute façon, j'ai plus, j'ai plus de place pour prendre tes trucs. Les bandits sont de retour. Alors, quand j'étais dans les menus, j'ai activé les kills furtifs. Bah attendez pas à ce que ça marche à ce point. Là c'est quand même un peu con. Je comprends pourquoi ça signale work in progress sur le truc. Bon. Après, je sais pas si j'ai pas le gardé quand même. Parce que d'un, c'était quand même rigolo. Et puis deux, c'est quand même pratique. Alors, je suis trop lourd, mais... Est-ce que j'ai récupéré là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une petite boîte plus-plus? Si. Et du coup, je suis quand même trop lourd. Et je vais encore récupérer des trucs. Ce qui va me rendre encore trop lourd. Après, dans la petite boîte qui est là, je vais en profiter maintenant que je me souviens qu'elle existe. Pour poser genre les balles, les trucs qui me servent pas, puis ça devrait le faire. Puis même si je suis un peu trop lourd, j'ai quand même pas mal de trucs pour remettre de la stamina. Je vais garder l'espoir que je vais rendre un colis qui vaut 14 milliards de kilos à un gars, puis que ça devrait aller. Ah, on bugué cette boîte, hein. Si t'as pas le nez dessus, d'avoir un défaut dans les collisions, un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux me débarrasser d'autre? Bah rien en vrai, hein. Y'a rien que j'ai envie de me débarrasser. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Je suis toujours giga lourd. Va peut-être se claquer à Hercule. Hein. Hercule ou autre chose du style. Oh, j'ai une planque là, super. Ça se trouve, elle était déjà tout à l'heure en plus. Et elles sont passées où mes quêtes? Putain. Mais y'en a qu'un seul parce que là c'est Clear Area, d'accord? Et ma livraison de colis, il est passé où Jean-Michel là? Il est dans le cimetière de camions. Puis je suis lourd, je vais pas aller dans la Dark Valley, cimetière de camions, tout ça quoi. Relou là.
Ça va être pour une autre fois, je pense. Hein. Je vais rendre mes quêtes, mes trucs, mes machins. Je vais remonter, poser mon matos. Vas-y, je vais me claquer. Peut-être. Bah, une boisson énergisante devrait suffire, peut-être. Ouais, 15. Enfin, 1,5 kg. Non, ça ferait 7,5, donc ça suffirait pas. Vas-y, claque un Hercule. Quitte à claquer un Hercule, est-ce que je regarde pas la boîte? Non. Non, on va rester focus. On a récupéré un sacré paquet de merdier. Priorité, rentrer à la maison et voir ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a récupéré. Ouais, 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 t'es vilain. Ouais, 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 t'es vilain, tout plein. T'es surtout mort. Vas-y, va marcher dans les anomalies, là. Va jouer à la marelle sur l'autoroute. Ouais, mais mec, t'es... T'es fringué comme un putain de bandit. T'es fou, toi. On va se prendre un coup de douce dans le cul, lui. Allez, on traîne pas, on n'a pas beaucoup de temps de Hercule. Est-ce que je regarde quand même la planque qui est dans Wildlife? Wild Territory. Je sais pas pourquoi je dis Wildlife. J'ai dû voir ça passer quelque part comme mot il y a pas longtemps. Ouais, je vais aller jeter un oeil quand même, parce que si c'est un kit avancé ou un truc comme ça, ça peut être pratique. Vu que je voulais de toute façon me mettre un atelier de plus, ça peut être pratique. Ou même éventuellement même un kit basique. Parce qu'avec 5 kits basiques, 5 outils basiques, je peux faire un outil avancé. Et si j'ai pas de kit avancé, bah voilà quoi, c'est pratique quoi. Là-dedans pareil. Ah, ça, faut que je prenne. Et il n'y a rien d'autre d'important à prendre. Non. Le boulot est fait. Et une planque dans ma warehouse. Eh bah c'est cool. Omar, d'ailleurs, niveau quête. Deux bandits dans mes warehouse, oui. Mutant le cimetière de camion, je veux dire, pourquoi pas, de toute façon, il faudrait que j'aille. Document crypté dans le territory, c'est gratuit. Bandits dans mes warehouse, ça se fait. Des patchs de bandits. Évidemment, il y en a un qui était à l'entrée. C'est pas comme si j'avais un temps limité au niveau du portage de tout le merdier que j'ai sur le cul. Je sais pas pourquoi, ça me donne bien envie de rejouer à Skyrim, parce que ça me rappelle que dans Skyrim, je m'amusais à faire des giga-anneaux d'augmentation du portage de poids. Pour justement, quand je chopais trop de merdier dans les donjons, je mettais mes petits anneaux magiques. Et certes, j'avais moins de protection, des trucs comme ça, mais au moins je pouvais prendre tout le matos qui me semblait intéressant. Elle est où ? Ah, putain. Le truc, il a disparu dans le décor, quoi. N'importe quoi. Eh bah, que de la merde. Super. Quelle joie infinie. J'ai quand même encore un sacré paquet de merdier. Mais il faut que je vois quand même pour réactiver les voyages rapides, un minimum. Que ça me coûte du fric, pourquoi pas, pour le principe. Mais que ça puisse être une possibilité, vraiment, genre en fin de jeu, si j'ai plein de pognon. Y'a personne qui est mort cette fois? Non. Ah oui, en plus, j'avais dit Wild Territory. Quoi, ouais, bah vas-y. Il reste plus que 20 secondes de temps de Hercule. Et bon, tant pis. Il faut ce qu'il faut. Alors du coup, sous la croix... C'est pas ça? Sérieux? Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah, ça doit être ça. Ouais, il y a un truc. Oh! Y a un artefact aussi. Ouh, il y a un kit d'amélioration avancée. Voilà, je suis gigalour, super, merci, bonjour, au revoir. Et là, ça me coûterait combien de me TP à Army Warhouse? 4 pile balles? Ah, oh, vas-y, je cherche pas, je fais. Hein. Je suis pas irradié, c'est pas vrai, tu mens. C'est une impression, faut juste attendre un petit peu. Ah, oh, est-ce que j'ai moyen de pas être irradié? Bah, en vrai, je devrais pas, pourquoi je suis irradié? Quelle est cette bite? Ouais, aucun truc normalement est censé faire passer de radiation.
Si je mets ça vite fait, est-ce que ça va mieux? Encore le signe de radiation, merde. Yes. Ah, Mars, ça se trouve, ça aurait coûté moins cher si j'avais juste traversé le niveau. Parce que ça aurait été pas deux zones à voyager, techniquement, ça aurait été une seule. Mais ouais, là, on va quand même se bien gagner 5 minutes à faire ça. À devoir marcher comme un pauvre naze. Esquiver 3 merdouilles sur le chemin, c'est bon. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui fait du bruit. alors, on va poser le SVD. Ce serait peut-être une idée de voir directement si je peux pas bricoler des trucs. Après, ce qui serait surtout une idée, ce serait de faire un, un établi, mais j'ai dû poser du coup tous mes trucs de métal et compagnie en chemin. Donc, bof. Bon, je pourrais pas faire grand-chose. Hein. Faut que je pense entretenir mes armes aussi. Mon multi-tool est quasiment mort. Ouais, jetons un œil à si on peut faire des trucs. On fait des artefacts en soi, ouais. En vrai, c'est juste des boîtes de transistors et compagnie hein, pour faire des boîtes plus. En plus, c'est juste un level, c'est même pas un expert tools, donc ça peut complètement se faire. Donc ouais, faut que je regarde pour améliorer petit à petit des boîtes. Ah, mais j'en ai masse du metal scrap. Est-ce que j'ai du bois aussi? Ah, j'ai le bois qu'il faut. Salut Jack, comment ça va? Tiens, ça faisait longtemps quoi, t'avais pas eu l'occasion de passer. Yes. Portable workshop. Place item. Voilà. On va pouvoir poser tous les trucs de balles et compagnie. Et d'électronique. Oh, ça explose carrément. Je sais pas ce qui se passe au loin, mais il se passe des trucs. D'ailleurs, je vais mettre aussi mes artefacts dedans. Et assume quand je suis pas au boulot, au plus simple pour visionner. Ouais, j'imagine. remarque pour la cuisine. Ça avec quoi comme alcool qu'il faut? Est-ce que c'est à chaque fois la même alcool qu'il faut? Ouais, à chaque fois, c'est l'alcool qui est blanc. Donc déjà, je peux regarder. Pour transformer tout l'alcool du monde. Médical. Vas-y, craft. Ah, j'ai obtenu un achievement. Artificier machin chouette. Qu'est-ce que ça dit? Tu craftes ton propre équipement. Ah, le crafting requiert un ou deux items en moins. C'est cool. Ah, et le truc géologiste, en fait, c'est juste après mission. Je suis en train de voir. Quand j'ai le truc dessus, ça me le dit. Bon, bah, c'est quand même bien. Ça reste cool. Bon, bah, malheureusement, avec tout ce que j'ai ramené, au final, je peux pas faire grand-chose. Hein. C'est quand même con, ça. Moi, qui ai peut-être des trucs auxquels j'ai pu penser. Ah, ça, je peux le faire. Attends. Ah, si, c'est bon. Ah, nickel, les trucs verts, pile poil. Vas-y, craft. Ça, c'est un gros boost. Ça, c'est gros boost stamina, un peu moins de radiation, un peu de résistance à brûlure et plus de poids porté. Gros boost quand même, hein. Ça, c'est un gros pas en avant. Parce que là, ça, c'était juste 14% de stamina et moins de résistance électrique. Et là, on a 27% de stamina et 9% de résistance électrique, plus de poids porté et tout. Donc, ça se fout pas de ta gueule. Il y a un peu moins de radiation en plus. Que du bon. On peut peut-être regarder du côté des artefacts, du coup. Hein. Ouah, celui-là, il te rend quasiment invulnérable aux trucs chimiques. C'est balèze. Bon, ça demande des trucs que, genre, j'ai pas du tout. Ah, si. Il y a juste le cristal que j'ai pas. Le bracelet, j'ai. Après, le... émission. Ah, bah d'ailleurs, ça vaudra le coup de refaire un tour, vu que j'ai un bonus maintenant après les émissions. Bon, après, c'est un truc de giga au niveau. Hein. Il faut une giga boîte pour, pour le prendre, le truc. Mais, ouais, quand même. Hein. Et cristal, il faut quoi? Mamas Ben. Bah, genre, j'ai pas un tapeur qui traîne. Ah, j'ai dû tous les absorber dans le machin pour recharger. Moi, que j'accroche des artefacts là-dedans, peut-être, non? Ah, bah oui, j'ai taqué l'artefact encore là-dedans. Mais quel trou de balle. Parce que du coup, je pourrais le faire, hein. Le cristal, je peux le faire. Bon, le problème, ça va être quelle puissance je l'aurai, le truc. Il serait forcément pas à 100% ce que j'ai actuellement. Et en plus de ça, j'ai pas de boîte pour le porter. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Après, déjà ça, le bracelet, bah, c'est bien que je continue d'améliorer celui que j'ai déjà. Et en faire un pourrait être une idée, du coup. Parce que le bracelet à 100%, c'est quand même 60% de résistance chimique et 13% de résistance psychique. Ce qui est pas dégueu du tout. Hein. Ouais, le flash, 134% de résistance électrique. Ah ouais. Il faudrait ce truc-là que je pourrais faire. J'ai l'impression qu'ils ont quand même eu un gros boost, les artefacts. Il me semble pas qu'il y avait des trucs aussi pétés avant.
l'impression qu'il y a genre un 50% de boost de tous les trucs. Ouais, quand même, hein. Sauf qu'il n'y a pas grand chose en fait qui donne des bonnes résistances psychiques en soi. Là, le mieux que j'ai, c'est ça à 27, genre. Ah, 34 là. Plus accessible, peut-être, c'est encore le Lobster Eye. Parce que ce machin là, ouais, faut un bracelet en bon état, puis un shell aussi. Il y a le shell pareil. Un peu compliqué, quoi. Stamina Recovery 192%. Waouh! Oh la vache! Et je pourrais en faire un. Enfin, je pourrais en faire un. Le colo 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 machin là. Eh oui, je pourrais en faire un. Il serait peut-être pas en état super ouf, mais je pourrais en faire un de truc là. Putain, mais. 192% de stamina recovery. Waouh, 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 quoi. Quand même, hein. Quand même, quand même, hein. Après, ce que je vais peut-être surtout faire, c'est voir pour stacker les artefacts que j'ai. Parce que j'en ai, voilà, j'en ai un par, j'en ai quatre. Ça serait bien de les booster pour qu'ils soient à 100% ou le plus possible en tout cas. Parce qu'en fait, genre, si on fait fusionner deux machins à 25% pour faire un nouvel artefact, il est pas à 100%, il est à 25% en gros. J'ai plein de trucs que je pourrais théoriquement faire, mais ils seront pas à fond. Quoi, on va faire ça, ouais. Déjà, bracelet, j'en ai récupéré deux. Bon, ça, faut que je chope la boîte. Empower artefact. Oh, le soleil, je peux le réparer avec d'autres trucs. Intéressant, ceux de perks, ils peuvent se réparer avec d'autres trucs de perks. Ça, c'est cool, ça. J'ai quand même plus 12% de résistance psychique et 55% de résistance chimique avec ce machin. Il est quasi à 100%, c'est quand même pas dégueulasse. J'ai deux Lobster Eye. Du coup, Lobster Eye... Ouais, un peu de résistance psychique en plus possible. C'est vrai que ça fait encore pas grand chose, hein. Je voulais quand même beaucoup plus pour pouvoir aller dans le radar, moi. Bon, c'est quoi ce truc là? Sandstone? Tu es un stalker ou un mutant? Infuse, enfin t'affuse, te donne en gros, on va dire. Des grands pouvoirs. Ces buffs durent 5 secondes et ça augmente les dégâts subis de 25%. C'est de la merde! Pour 5 secondes, mais je me fais pas chier! Parce que pour 1. C'est genre si dans les 5 secondes tu butes un autre truc, t'as encore un bonus ou... Parce que quoi qu'il arrive, prendre 25% de dégâts en plus, c'est de la merde en fait. Parce que genre dans un premier temps, augmente la vitesse. Ouais. En deuxième temps, ça donne la régénération de santé. Bon, ça c'est cool. 3 et 4, ça permet de récupérer un peu de santé dans une partie de corps. 5 copies, ça retire le debuff de 25% de dommages. D'accord, mais comment ça marche en fait? C'est vraiment pas clair leur truc. Ah, le signe, j'ai l'embarqué, tiens. Restaure la vie et la psy quand on est près d'un feu de camp. Amplifie la récupération de psy d'artefacts quand on est près d'un feu de camp. On voit pas bien comment ça marche l'histoire. Ok, alors on va remettre du coup du boost là-dedans. Du coup, on va commencer par la lampe parce que la lampe ça marche pas. Donc ça d'accord. La balle c'était nul, ouais. Ça l'a déjà un peu remis. Par contre du coup ouais si je peux augmenter le soleil avec des autres trucs nuls, moi je veux hein. Je peux le remettre un peu hein, avec la boule. Hop. Encore la boule. Hop là. Est-ce que j'ai d'autres trucs à booster? Ouais j'ai ça, le sparkler, j'en ai plein. 94%. Merveilleux. Ok, au moins on y voit plus clair. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui seraient pertinents pour moi à embarquer maintenant? Ça, ça fait un peu de résistance psychique, donc c'est quand même pas dégueu, hein. Le jellyfish, ça pourrait être pas trop mal au quotidien, et encore... Ouais, non. Mais le lobster eye, 12 de résistance psychique, ça serait quand même pas mal à traîner avec moi. Le sparkler aussi, ça serait pas mal, 29% de résistance électrique. Après, l'anneau, c'était quoi, là, le ring? C'était 19. Donc ouais, c'est un peu moins bien, quand même. Dans le rayon des trucs à fusionner, niveau artefact, ça je pourrais peut-être le faire, hein, parce que la batterie, je m'en bats les reins, le mid-chunk, je m'en bats les reins. Quoique le mid-chunk, grosse résistance chimique quand même, hein. Parce que du coup, ça me permettrait éventuellement de faire le flash avec la grosse résistance électrique.
Après, grosse essence électrique, est-ce que j'aimerais intérêt pour l'instant? À part pour essayer d'aller dans Yantar et puis fouiller les anomalies électriques. Bof. Et j'aimerais bien quand même tenter le radar dans la prochaine session. Alors que le Moonlight, 27% de résistance psychique. En plus, Parkler et Midshank, je les ai au niveau, hein. Je les ai en bon état. C'est dommage, on voit pas ce qu'on a actuellement et donc ce que ça pourrait donner. Sparkler, c'est haut et Midshank. Ah non, Midshank, j'ai de la merde. J'ai confondu avec autre chose. Ah non, j'en ai un bon de Midshank. Est-ce que ça serait si bien que ça pour moi d'avoir essence psychique comme ça? Parce que j'en ai des qui m'en donnent quand même un petit peu, et c'est quand même pas mal déjà. Ce qu'il faudrait, ce serait plus éventuellement des boîtes pour pouvoir les transporter déjà, ces trucs. Oh, ça augmente le poids porté, ça. J'ai pas fait gaffe. Plus 6 kilos quand même, hein. Ça peut sauver. Bon, ça serait plus 5 kilos en fait, parce que entre le poids du truc plus la boîte, on perd déjà du poids. Pas mal quand même, hein. Et à fond, ça donnerait. Ah, il y a peut-être mensonge sur le poids porté, je pense. Parce que le poids porté augmente pas si je regarde ce qui se passe quand on l'améliore. Vas-y, viens voir, on va tester. En vrai, c'est deux-là qui m'intéressent le plus, le Lobster et le Night Star. Si je mets le Night Star, j'obtiens combien de plus de poids? 3 kilos de plus. En vrai, ça pourrait sauver. Surtout que si je vais faire le radar, je vais choper une quantité d'armes de monolithes d'enculé. Après, en vrai, ce serait pas une bonne idée d'aller faire le radar tout de suite, je suis en train de penser. Parce que je suis pas non plus à fond de mes différents équipements que j'ai sur moi. J'ai des thunes, mais pas tant que ça. Il faudrait que j'achète un sacré paquet de balles, notamment en armor piercing. Et d'ailleurs, pour optimiser mon poids, c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir éventuellement une mitraillette en 45, plutôt qu'un pompe plus le pistolet. Parce que le pompe, en vrai, il va pas me servir à grand chose. Quoique, en même temps, le pompe, avec les balles armor piercing, ça peut faire des dégâts, hein. Parce que j'ai quoi comme arme en stock? Ça va, les gars? Ouais, j'ai ça qui est bien réparé. En 9 mm. C'est vrai qu'une mitraillette, ça serait quand même peut-être plus efficace. J'ai beaucoup de balles en 9 mm ou en 9-18. J'ai OK en 9-18. Et j'ai pas mal en 9 mm aussi. Parce qu'il y a le pistolet qui mitraille là. Qui peut être rigolol. Ce machin-là. Ça pourrait être rigolo à avoir avec moi. C'est que ce machin qui mitraille bien, ça pourrait être un beau remplacement du fusil à pompe pour au moins la petite mission là. Ce machin-là, il est pas en automatique à tout hasard. Parce que je vois qu'il a pas mal de vitesse de tir quand même. Il y a même. Attends, il a 22 balles dans le chargeur? Ça fait 7 de plus que le mien. C'est chelou. En plus, moi, il met un bon viseur dessus. Il y a quelque chose à faire quand même, hein. Il y a un coup à jouer à ce niveau-là. Après, il y a aussi ce truc, quand même 45 balles dans le chargeur, c'est quand même pas dégueulasse. Est-ce que ça se met en emplacement de pistolet déjà? Ça se met pas. Donc c'est de la merde. Faudrait aussi que j'ai les moyens d'acheter un bon viseur. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Ah, mais j'ai un deuxième artefact melter ici. Faut que je répare mes armes et tout le bazar. Enfin bref, faut faire plein de trucs. Est-ce que je peux améliorer quand même des trucs? Je peux améliorer la précision de mon pompe. Ce qui pourrait être assez redoutable. Ah, j'ai deux SVD! J'avais déjà un! Ah, le con! Mon M4, je peux rien faire actuellement. Il manquerait des trucs intermédiaires. Et je pourrais augmenter la précision avec cette amélioration-là, ce qui serait vraiment pas dégueulasse. Hein. Ce qui serait une bonne chose. Est-ce que je peux faire ce kit-là? Ouais, avec des boulons, je peux. Voilà, et notre M4, ça devient sniper d'un coup. Et maintenu. Est-ce qu'il y a des choses de fou qui se peuvent se faire? Pas vraiment, vraiment, vraiment. Après, un petit kit pour avoir 5% de résistance de rupture en plus, ce serait pas trop mal. Mais c'est pas ça qui va changer ma vie, quoi. Et mon masque, il en est où d'ailleurs? Ah, c'est vrai que je peux augmenter la résistance au psy avec ça. Ah, mais de toute façon, je peux pas le crafter, le gros kit. Repris kit, il faut l'expert tools. Ça demande le kit de machin chimique. C'est con parce que sinon je pourrais le faire. À tout hasard, je vais aller voir s'il le vend pas. Faudrait d'ailleurs aussi que je me balade, vu qu'il y a eu une émission. Ça a dû réussir des artefacts. Je vous gêne peut-être, les gars. Vous avez l'air vachement occupé là.
Oh la vache. Ça passe des choses, hein. Non, il le vend pas. Bon, eh bah tant pis. Bon, j'ai quand même pas mal de trucs à faire dans le coin. Est-ce qu'on ferait pas ça quand même? Donc là, des gens à buter par-ci, par-là. Ah, j'ai même une livraison à faire. C'est vrai que ça ferait du poids en moi sur mon cul. On va faire tous les petits trucs qui traînent là, vite fait. Faire un petit tour aussi des anomalies. Et j'ai plus de multi-tool. Il a pété? Il a pété. Bon, bah, je vais en jeter un. Hey, Stalkers, чем пожаловал? Il se passe encore des trucs ici. Eh, ça, après, il m'en manquait juste un pour faire ce que je voulais. Après, c'est 7000 balles. J'étais venu chercher quoi, moi? Un multi-tool. Parce que je le prends quand même, ce truc. Vas-y, après, c'est fait. Hein, hop. Au moins, c'est fait. Ce sera plus à faire. Et voilà. Alors, je crois que c'était ici. Ça devait être pour ça. Ouais, il me manque les métalliques scrap et tout. Et du coup, ça me donnera du stamina en plus. Ce qui est appréciable. Mais du coup, même le camelbag actuellement ne me sert plus à rien, en fait. Parce que ça, du coup... favorite, déjà. 14 de stamina et 48% de cristal résistance. Et là, ça me met 14 de stamina aussi, mais moins de résistance électrique. Donc, c'est moins bien. Ouais. Regardez les trucs que je peux refourguer. Mission à faire. Bute un vilain monstre, oui. Deux tablettes de caféine, ça me fait chier, mais je te les file. Planque dans la forêt rouge. Wouhou! Après, il faudra de toute façon qu'on y fasse un raid à un moment. Quoi. On a tellement de planques là-bas, il y a forcément des trucs qui peuvent être intéressants à y choper. Il va falloir y faire un tour. Rejetons un œil. Au tableau des primes... de seringue vide. Qui veut ça? Un mec derrière moi. Pourquoi est-ce que tu m'as pas demandé ça avant? Bon, rien. J'en suis où d'ailleurs de mes relations avec ces trouducs? Freedom maximal, déjà? Bah c'est cool. Planque dans garbage, ok. Qu'est-ce que tu as à vendre du coup en ce moment toi? Waouh. Attends. Quoi, je peux mettre ça là-dessus? Zoom entre 3 et 24. Plaît-il? C'est très tentant. On va pas se le cacher, c'est très tentant. Mais est-ce que c'est pas un peu trop? Après, pareil, en plus, le zoom qui va jusqu'à x3 minimum, ça peut être chiant sur certaines grosses bastons. Dépendant après de ce que j'ai comme matos qui va avec, ça peut être un peu compliqué. Que celle-ci, éventuellement... 100 000 balles. Non, bah peut-être pas celle-ci. Attends, ça a abusé, parce que là, juste la lunette qui fait de 1 à 8 au niveau zoom, 30 000 balles. Si je la prends en 1 x 8 plus Trigicone RMR machin sight, donc j'imagine avec un petit point rouge sur le côté de l'âme pour le tenir un peu sous le côté, façon vas-y, on est tacticool. 3 fois le prix, il y a peut-être un petit peu d'abus. Hein. Après, la lunette x 24. Oh la vache. Après, en plus, l'arme est pas forcément assez précise pour être vraiment efficace avec ça, mais. Aïe. En plus, je peux pas la faire plus précise. Elle a 91% de précision et je peux pas un pet de plus. Hein. Bon, après, de toute façon, j'ai pas les thunes. Ouais, il faudrait encore que je farme au moins 2 ou 3 parties, en fait. 2 ou 3 lives. Parce qu'il faut que j'ai une quantité de balles suffisante. Et ça, c'est pas gagné, déjà. Surtout qu'il me faut des balles qui coûtent cher. Il me faudrait des balles à armor piercing pour m'assurer des kills. En plus de ça, je sais plus ce que je voulais d'autre. Comment ça, clic? Me gêne pas, je vais faire un tir. Oh putain, j'ai failli tirer dessus! C'est un gros.
T'avais un pote en bas, j'ai cru voir, toi, non? Non, c'est un... C'est un gars de la liberté. Toi, t'étais armé, mon gars, toi? T'es équipé? Le mec, il a un masque exo et tout, quoi. Pour servir de suite, mais je prends. Hein. Alors. Est-ce que... On a des petits trucs sympas qui sont revenus. Ouais. Allez, en tenue scientifique. Tac, chimique. Chimique. Ah bah chimique aussi. Écoute, vas-y pour un fond du chimique. Hein. C'est où la protection chimique là-dedans? Ah ouais, normalement je dis protection chimique, je suis à donf là. Hein. Ça pour un signet de merde. On va quand même retourner aller voir un peu par là. S'il n'y a pas un truc qui a... Non, ça c'est juste du décor. Faudrait qu'il les retire ces trucs, ces gars qui sont là juste pour le folklore. Du coup là, rien. Ah, du tout. Newton anomalie, c'est vrai qu'il y a une anomalie là-bas. Ah, il y a un mec à descendre là-bas. A priori, je suis censé avoir un truc à buter là-bas. Peut-être plus par là. Ah, là, ça me l'affiche. Mais je le vois pas. Ah, c'est lui? Ouais, il s'appelle Stéchua Gangster. Waouh! Waouh! Mais il rigolait pas, lui! En plus, il a un bon casque, hein, parce que la balle, elle est pas à mort piercing, mais il l'a encaissé, ça lui a rien fait. Hein. Ah, c'est con qu'il m'ait vu. Après, remarque, le désavantage d'être couché, c'est que, bah, en fait, il peut que toucher la tête, en fait, le gars. Basiquement. Bah, du coup, on va utiliser des armor piercing. Hein. Vu qu'on a que des gros gars. En plus, c'est que des gros bandits, quoi, les gars. C'est... Je veux bien qu'Army Warhouse, on commence à causer niveau difficulté, mais... Que des gros bandits, là. Ah, il a fallu quand même beaucoup moins de balles. Bon, on va laisser tomber le... L'anomalie, hein, de toute façon, si c'est pour avoir un signé, j'en ai rien à battre du signé. C'est de la merde, ce truc. Ah! Avec une bonne balle armor piercing, ça fait moins le malin, hein. Ça se bat plus loin, mais... Ah, ça, c'est une voix de mercenaire. Ah, il y en a un qui est passé. Ah, je peux le fouiller. Ah, puis il avait un... Il avait le fiber je sais pas quoi dont j'avais besoin tout à l'heure. Par contre, il a... Ouais, il a masse de trucs. Ouais, juste voir du coup si en haut... C'est toujours la merde. Thérapie de choc. Du coup, on est d'accord que c'est censé être électrique comme les gars. Donc ça devrait passer, là. En électrique, j'ai quoi, du coup? J'ai combien? J'ai plus... Ah non, j'ai pas tant que ça, là, tout de suite. Vas-y. On tente. Électrique, 15%. Bon, manque un, notre truc de résistance électrique. Ah non, oui, j'avais échangé entre deux trucs. Non, ouais. C'est pas que, que l'électricité. J'ai quand même pris très cher au niveau... niveau psy. C'est bien ce qui me semblait que c'était... c'était de l'arnaque, ce truc. Ah, bah attends, j'entends des trucs. J'ai pas gardé le truc qui remet de la psy, là. Si. Ah,
Ah, ça marche bien. J'aimerais bien voir du coup l'anomalie Newton machin là-bas. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant. Mais ouais, faut, par contre, pour vraiment aller dans cette anomalie-là, il faut une résistance psychique, mais d'enculé, quoi. Parce que là, avec tout ce que j'ai, j'étais quand même pas trop mal, quoi. Je suis à 25%, je crois. Ah, même plus, parce que là, déjà rien que là, je suis à quasiment à 25%. Mais ça s'est drainé super vite, hein. Est-ce qu'il y a moyen de passer? On va remarquer un truc qui est plus loin. Putain, vive les buissons! Mais genre pas moyen en fait. Stoneflower, cool. Puis du coup, bah y'a rien d'autre à fouiller dans le coin. Après, niveau anomalie, y'a celle de Brasier. Tiens, y'a des flèches là-bas. Bon, du coup, pas beaucoup vu la différence avec mon nouveau skill. Hein, qui est censé faire plus de loot de... d'artefacts. Alors après, c'est après une émission. C'est après une émission normale ou psy? Juste une émission. Ah, mais oui, donc il y a émission et psy storm. C'est deux trucs différents. Donc, ok, il y a un truc dans le feu. Wow! Ow! Ah, il y en a encore un là, j'ai pas vu. Attends, déjà, je me suis fait ramasser là. La vache, j'ai pris cher quoi. Ah, tenu aussi, du coup, je suis passé à 91% quoi. Je pense entre le temps que j'ai passé dans le feu et puis les deux coups que j'ai pris, tout ça pour récupérer quoi? Un jellyfish, ah bah super. Grosse perte de temps. Et normalement j'ai rien d'autre à faire hein, niveau planque, enfin niveau anomalie. Oh par contre il y a une planque là. Buté du mutant. Et planque là. Et oh j'ai encore un truc là-bas. Ouais. Ça peut-être pas bête le KS23, hein, parce qu'il est quand même vachement pété ce truc. Le truc fait quasiment quand même 300 de dégâts. Hein. Bon bah ça c'est fait. Oh, ils m'ont encore pété la jambe. Saloperie. Oh! Une batterie. Donc c'est bon de savoir que c'est aussi un coin à artefacts ici. Ça va être la cave ou un truc comme ça, j'imagine. Quand même des effets de lumière de fou dans le jeu. Y a pas une boîte là-dedans? Non, oh, ça doit être sur le toit. Eh bah super. Bon, eh bah vive la grimpette. Merci les mods. Ah, c'était par là, d'accord. C'était tout simple en fait. Alors, il me reste encore un couillon à battre au carrefour. Alors par contre, est-ce qu'on peut se le faire au FMJ ou je vais devoir encore sortir les balles à armor piercing? Ça coûte cher quand même ces trucs, hein. De toute façon, j'approche, il y a des arbres. Je commence à me demander en fait si c'est pas fait exprès, qu'il y ait toujours un truc pour cacher la vue de loin. Genre pour limiter justement l'abus de sniper, quoi. Puis pareil, pourquoi est-ce qu'ils ont mis
des buissons au pied de chaque arbre. Je vous en supplie, s'il existe un mode pour virer ce truc, dites-le moi. Du coup, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Peut-être aller voir là-bas quand même, s'il n'y a pas un truc. Il y a un truc. On va passer par le camion. Il y en a d'autres qui ont mon cul. Visiblement non. Tout ça pour un signe encore. D'ailleurs, on va peut-être aller récupérer quand même l'autre. On va quand même aller voir par là-bas, parce que normalement, ça c'est une anomalie, là, le truc de l'autre côté, mais... Ah! Si, il y a quelque chose. Ah, la connerie. En fait, quand je marchais en appuyant sur F, du coup, pour genre, ça attrape direct s'il y a un truc qui traîne, ça ramassait directement mon boulon devant moi, en fait. Donc, du coup, c'était pas très pratique pour essayer de voir s'il y avait des trucs qui craignent devant. Ça va, ma tenue a pas pris trop cher. Bon, certainement que le fait d'être à certainement plus de 100% de résistance contre le feu a peut-être aidé. Ah, je peux rendre une quête vite fait. Ça se prend. Ah, les butants. Trois paquets de charbon, super. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, mon gars? Youhou! Ah, il y a un truc qui m'a poussé, je sais pas pourquoi. J'ai pas pu marcher droit en direction du tuyau. Et là, ça fait quand même du gros boost de stamina. Hein. Ça permet d'aller... de quand même pas mal cavaler. Hein. Là, du coup... Ouais, c'est vrai qu'après j'ai quand même encore 10 kilos de... 10 kilos de marge, mais... Ça se passe, hein. Pas d'autres quêtes à rendre? Non. Ouais, j'ai comme chopé des trucs sympas, hein. Ma masse bébé de machin, là on en avait besoin. J'ai les fiches et batteries aussi, il me semble. Bon, on va en profiter pour les mettre ensemble direct. Du coup, ça nous donne quoi, ces histoires? Parce que du coup, j'en trouve encore deux de chacun de ces trucs, qui sont à 100%, et puis si je fais effectivement des trucs au niveau dessus, ça peut donner des trucs sympas, quoi. C'est vrai que si on avait moyen d'avoir un artefact de plus 100% de résistance de tout, en fait, de chaque truc, ça permettrait d'être quand même pas mal tranquille. Bon, après, il faudrait encore une fois avoir la boîte qui permettrait de le transporter, les trucs. Donc on n'y est pas tout de suite non plus. Mais ça peut se faire assez fastoche. J'ai encore beaucoup de boîtes, là. Puis ça, c'est le paquet qui fait 5 kilos qu'il faut que je ramène à un mec qui s'est barré, quoi. Au secours. Ouais, quand même encore vachement lourd, là. Ah, mais il y a le casse-exo. Ah oui. Bah, d'ailleurs, le casse-exo, on est d'accord, il faut, pour le réparer, kit spécial. Ouais, kit exo. J'ai même pas encore le truc pour le faire. Bon, bah tant qu'à foutre, on va le faire dodo. Comme ça, on sera à fond pour la prochaine fois. Voilà, faut que j'achète des trucs quand même, moi. Ça, pareil, on va le faire maintenant. Effet à temps magnifique. Ah, mais c'est pas vers lui qu'il faut que j'achète. Oh, pff, bah, de toute façon, faut que j'achète de l'eau. Tu vois combien les kits de soins? 3500. Et le médecin, il les vend combien? Dans le chat, les mercenaires qui sont là. Ah, j'ai récupéré une balle, wouh! Enfin, l'artefact, hein, la balle. Il est peut-être temps, du coup, que je rentre chez moi. Et un mec, il est là. Waouh, t'as récupéré un sacré truc. Putain, mais c'est l'artefact le plus pété, quoi. Ah, un peu moins cher, du coup, il les vend, les kits de soins, lui. Par contre, ouais, ça fait comme 10 000 balles de tout acheter ça. Bah, peut-être que je regarde pour en faire, en fait.
Du coup, ouais, avec un niveau max, les prix sont pas fous et tout, hein. Pour être mieux. Allez, on fait une vraie sauvegarde. Et puis, ce sera tout. Donc, c'est tout pour ce live. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que la diffusion vous plaira aussi, si vous n'êtes pas un espèce de maniaque comme Epicness qui s'amuse à regarder les formats non montés. Et comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires, à partager cette série autour de vous. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite également pour rappeler que vous avez des shorts qui sont disponibles sur la chaîne, mais pas directement affichés pour les abonnés. Mais par contre, si vous êtes sur mon TikTok, là par contre, vous avez une notification à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, quoi. Voilà, voilà. Allez, salut !